Eh bien, ça va tout dire à tous, c'est Ultimate Pone et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Database, comme chaque semaine. Alors, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça super. Alors, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun vote, malheureusement. Je n'ai aucune idée de quoi vous proposer comme vote ou autre. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire également, ouais, c'est une petite proposition que je vous fais, hein, simpliste. Si jamais vous voulez proposer des sujets, que je fasse voter, tout ça, n'hésitez pas aussi. C'est très externe, mais honnêtement, ça peut être une idée. Hein. Écoute, ça peut être une petite idée, mais bon, c'est très simpliste, c'est très minimaliste pour ma part, parce que bon, je vais pas y accorder une grande importance, ça reste que des votes random, tout ça. Enfin voilà. Alors, ouais. Alors, les achats de la semaine. Alors, alors, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai acheté Toko Xanadu. Alors, j'ai pas encore eu vraiment le temps d'y toucher. Malheureusement, j'ai tellement de jeux à faire. Alors, quand t'as plusieurs jeux à faire, et que t'en reprends, et que t'en reprends, et ensuite t'en as plus qu'à la... Enfin, ça déborde. Alors, franchement, c'est chiant. C'est chiant. Mais bon, quoi que passons. Alors, j'ai eu un grand achat cette semaine. Alors, j'ai eu Silverio Trinity. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu normal. Alors... C'est un visual novel développé par Light, donc c'est le dernier visual novel de Light en date. Normalement, il aurait dû sortir le 12 décembre, mais bon, il était reporté au 27 janvier. Eh ben, je l'ai eu le 25. Et comment vous dire que c'est vraiment épique. C'est vraiment épique, et vous aurez une review à coup sûr dessus. Je vous jure, vous aurez une putain de review dessus. Alors, peut-être que je sors du, allez, du jeu. Du coup, j'ai cette impression d'épique, d'épicness, tu vois. C'est tout frais, encore. Donc, je peux pas vraiment être objectif dans mes dires, alors que je devrais quand même l'être pour une review, quand même. Mais, on verra en temps et en heure, je n'ai fini qu'une seule route pour le moment, sur 3, même sur 4 je pense qu'il y en a. C'est un jeu vachement long quand même, j'en suis à 20 heures de jeu, je n'ai fini qu'une seule route, alors les autres routes, je me demande ce que ça va être. Enfin voilà, vraiment, je prends mon pied dessus, c'est un putain de bon jeu, et franchement, mais je le recommande chaudement. Pour ceux qui savent lire le japonais, ceux qui veulent apprendre également, moi je suis en apprentissage donc ça me facilite un peu la lecture également, n'hésitez pas. Franchement, c'est une tuerie monumentale. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors les jeux du moment, bah, je suis à fond sur Silverio Trinity. Franchement, c'est un truc de dingue. Alors, j'ai allumé un peu de nouveau des jeux PS1 aussi. Alors, notamment Blue Forest, alors, je sais pas si vous connaissez. Je verrai avec vous ce que ça donnera en live, parce que je compte le faire en live mardi ou lundi, peu importe, on verra en temps et en heure ce que ça donnera. Mais, attention, on le fera en découverte. Oui, on le fera en full découverte. J'ai juste pris connaissance du jeu sur internet, et moi, il m'a intéressé. Il m'a intéressé. Alors, c'est pas un RPG qui va casser trois pattes à un canard, mais honnêtement, je sais pas, il m'a fait de l'œil. Il m'a fait de l'œil. Alors, je dois vous faire une mise au point qui va être énorme. Alors, c'est dans 2 mois, ne vous en faites pas. C'est dans 2 mois. Donc c'est vraiment encore longtemps, longtemps, longtemps. On sera sûrement au 55e, 56e database, hein, si je compte bien comme ça. Alors, oui, j'ai un projet. J'ai enfin décidé de me prendre un PC gamer. Alors, mon anniversaire, c'est le 1er avril. Non, ce n'est pas une blague, je sais. Alors, c'est le 1er avril. Alors, à ce niveau-là, je me suis dit... Bah, pourquoi pas me faire un gros kiff à un moment? Pourquoi pas? Écoute. Alors, j'étais voir sur Internet. Ils ont proposé sur LDLC. Donc, c'est le site où je vais payer le PC. Eh ben, je me suis dit... Pourquoi pas en prendre un en avril? Pourquoi pas me faire un gros plaisir? C'est longtemps que je m'en avais pas fait en plus. En plus, tu peux payer en plusieurs fois. Ça, c'est nickel. Ça, c'est vraiment parfait. Alors, moi, je vous dis les configurations. Alors, ce sera un PC portable parce que, bon, j'ai... C'est pas que j'ai... Enfin, si, j'ai même pas la place, quoi, pour un PC de bureau. Disons que j'ai mis toutes mes figurines, tous mes goodies sur le bureau, là où normalement, ma boîte devrait être un PC. Mais bon, après, il faudra acheter l'écran, il faudra acheter la souris, le clavier, tout ça. Et ça perdrait un peu de son esthétique, un peu stand, tout ça, quoi. Alors que je préfère garder ça parce que ça rend vraiment le truc vraiment beau. Et j'ai pas envie de gâcher cet aspect. Et c'est la seule place que j'ai, honnêtement. Voilà. Alors, un PC portable, donc une GTX 960M, puisque bon, mobile.
16Go de RAM. Oui, 16, carrément. Un i7 6700K, me semble-t-il que c'est ça. Windows 10 Familia, tout ça. C'est du très bon. Honnêtement, c'est du très bon. Et j'ai hâte d'y toucher. Parce que ce sera mon tout premier PC gamer et ça va me faire bizarre sûrement. Ça va me faire bizarre. On verra en temps et en heure, mais je vous jure, je sens qu'on va faire énormément de jeux. Ça va être malade. Ça va être malade. Et sur ce, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo Database, excusez-moi. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous, c'était TTPod, et à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo Database. Ciao, bye bye les gens.